sur une grosse contrebasse. Histoire de coller quelques baffes. Ouais. Beats, make it funky, funky, funky. Finalement, c'est pas une surprise. Non, non, non. Ça fait longtemps que la France se droitise. Finalement, c'est pas une surprise. Ça fait longtemps que la France se droitise. Que nos masses médias ne font attise. Et qu'avec le diable, ils pactisent. Marine Le Pen, il la dédiabolise. Ouais, elle aime les chats, elle aime les friandises. Mais c'est toujours la même personne dangereuse. Aux idéologies plus que scabreuses. Et il ne suffit pas de changer le F par un R. En fait ça change R, c'est toujours la même de mer. Y'a toujours des gars du cul, des identitaires. Des esprits rétrogrades et va-t'en guerre. La France est à un point de bascule. Mais ça fait un bail qu'elle est gérée par des crapules. Que droite et gauche se confondent. Pendant que bon sens et raison se morfondent. Ça fait longtemps que la droite s'affile dans le cerveau. De la chaîne de Georges à Pascal Gros. De Marceau via Nuna ou Papacito. Les troupes de Bolloré prennent nos esprits d'assaut. Mais à Skip, il faut qu'on fasse barrage. Faut qu'on courbe les chines, qu'on canalise la rage. Mais nos black blocs sont gentils à côté de leur faf. Des stages commando militaires plein leur staff. On est mignons, nous les gauchistes. Et vous allez le comprendre dans un état raciste. La parole est en train de se libérer. Il leur fallait un Jordan pour les fédérer. Va pas faire bon être un PD ou un racisé. Les minorités ont pas fini d'être ostracisées. Le fascisme étend ses tentacules autour de nous. L'Europe a la corde au cou. Italie, Hongrie, Slovaquie, Autriche. Il est peut-être temps d'arrêter de faire l'autruche. Non, ce n'est pas le RN qui va taxer les riches. C'est juste un frelon asiatique à l'entrée de la ruche. C'est tout. 2 minutes anti-faf sur une grosse contrebasse.